Et dans un instant, Sumoman en direct. À toi, Verdose. Sumoman. On n'a pas dit que ça devait être impressionnant. Bon, Quentin, viens par ici. Bonjour. T'es petit en fait, hein. Bah, toujours, hein. Ça n'a pas changé, hein. On va faire un combat d'overboard en trois manches. On va faire un petit peu comme au temps médiéval. Tel sur nos fiers d'estrier, on va se foncer dessus. Et le principe, c'est de faire tomber l'autre. T'es prêt? On va faire en trois manches. Ok. Et bah, c'est parti. C'est parti. Le meilleur sumo, ce sera moi. Round 1. Fight. Non mais lui c'est Cyril Hanouna, il invente des règles pendant le jeu quoi. Genre l'herbe ça nous tue. Au début je me sentais très en confiance, mais j'ai vu qu'il commençait à prendre le contrôle de la situation. Donc j'ai inventé une règle et c'est passé. J'ai perdu, mais maintenant que les règles sont à plat, je vais gagner. Round 2, fight. Quentin était très très méchant sur le premier round, mais là sur le second round il s'est vraiment affirmé, il m'a foncé dessus. Moi je m'y attendais vraiment pas, mais j'ai une stratégie pour le dernier round. Final round, fight. Elle a failli tomber là. Elle a failli tomber là. Là j'ai tout donné, j'ai essayé de le pousser, de le tirer. Regardez les traces rouges que c'est sur mes poignets. C'est la preuve d'une violence absolue contre moi. C'est vraiment très très intense, mais on a gagné ce premier match. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse un deuxième match, mais cette fois-ci on va utiliser des armes. L'un d'entre nous aura un bouclier et l'autre aura une épée. En tant que perdant, je te laisse le choix de ton arme. Je prends le bouclier. Voici le bouclier de Captain America. Eh franchement, ça va, ça résiste pas mal. Et moi je vais aller chercher mon sabre. Bon j'avoue, je suis un peu moins bien loti parce qu'en vrai... ça va pas faire grand chose, il va falloir taper là où ça fait mal. Round 1, fight. Victoire. Ce qui est abusé, c'est que quand il arrive avec le truc, il m'a donné un grand coup de poing dans le bouclier, ça m'est revenu dans la gueule. Eh ouais mon gars, eh ouais, on est là. Franchement, j'avais peur, je pensais qu'il était carrément avantagé avec son bouclier, mais l'idée c'est de lui mettre des gros coups dans sa tête, et après il est déstabilisé. On doit pas se tuer en vrai, hein. Lui il a pas compris en fait, c'est pour s'amuser. Hein. Round 2, fight. Bah, il m'a encore battu, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il met son épée entre le bouclier et moi et il me tape la tête. Je peux rien faire d'autre que d'avoir mal en fait, donc du coup je perds. Pas besoin de faire un troisième round cette fois-ci parce que j'ai gagné les deux premiers, donc je suis vainqueur du deuxième match. On va échanger les armes pour un troisième match. Regarde, tu vois ça? Ouais. Round 1, fight. Mon gars, je vais te défoncer. Allez! C'est de la triche, t'as plus le droit de bloquer le sabre avec ton dessous. C'est une technique, mon gars, j'ai vu ça dans Star Wars. Bon, il a gagné encore une fois. Mais en fait, il me pousse grave avec ses bras. Il a plus de force que moi, forcément. Donc, du coup. C'est parce que moi, je vais à la salle. J'arrête pas de lui dire de venir avec moi. Eh, on voit que tu vas à la salle. Hein. Franchement, là, je me suis senti trop à l'aise. Je lui ai donné des gros coups. Je lui ai bloqué son sabre. Bon, à un moment, il m'a foutu mon bouclier dans la bouche. J'ai eu un peu mal quand même. Nouveau round. Let's go! Round 2. Fight. Ready to go! Il n'y a qu'un seul unique vainqueur, c'est moi. Voilà. J'avoue ma défaite, c'était compliqué pour moi. C'est que j'ai pas l'habitude d'être aussi gros en fait. Moi je suis une petite crevette, tu vois. Petite séquence bonus, combat à main nue. Fight. Allez viens mon gars, viens. Viens. Tu vas faire quoi? La vie de ma mère, je te lève moi. Moi je te lève. Ok. Ah j'en peux plus.
C'était un gros délire qu'on voulait faire depuis super longtemps. Et franchement, on a bien rigolé. Hein. Si vous avez rigolé, franchement, mettez plein de pouces bleus, partagez la vidéo max et dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées d'autres concepts. Ce qu'on pourrait faire. On a les overboards, on a les sumo, on a un verdose, on est équipé. On est équipé de ouf. Tu répètes tout ce que je dis à chaque fois. Exactement, parce que j'ai rien d'autre à dire. À très bientôt les geeks pour de nouvelles aventures. Ciao. Peace.